Je suis la lumière. Installez-vous confortablement, que vous soyez assis, allongé ou debout. Pour travailler la conscience, généralement, plus le corps est dans une position confortable et détendue, plus c'est facile. Revenez à l'intérieur. Prenez conscience de votre état d'esprit. Prenez conscience de la fonction de vous qui reçoit toutes les informations de ce moment, qui observe ce moment. Partie qui écoute ma voix, qui écoute vos pensées, qui ressent vos émotions, qui ressent les sensations. Et qui se ressent elle-même. Vous savez que vous êtes conscient dans ce moment. C'est l'état de minutieux, l'état de conscience de l'observateur. Conscience de la fonction qui reçoit toutes les informations. Cette partie de nous est toujours présente, à la fois dans le temps, mais aussi toujours présente dans le moment présent. Elle est toujours à l'instant présent. C'est donc notre porte d'entrée vers les profondeurs de la conscience les profondeurs de la conscience qui sont toujours présents. C'est un accès vers notre cœur pur de bébé qui, depuis le premier instant, n'a jamais cessé d'être présent. Et comme c'est un présent, c'est aussi un cadeau. Plus nous prenons conscience de cette partie de nous-mêmes, de cette fonction, de cet aspect, plus nous prenons conscience de la conscience elle-même et de ses profondeurs. C'est une porte d'entrée vers l'inconscience, vers les schémas profonds, les émotions profondes, les informations profondes qui ont été
gardée à l'intérieur. Et c'est aussi un moyen pour aller au-delà de toutes les informations qui ont été imprimées, reflétées à l'intérieur de nous. Parce que fondamentalement, la conscience n'est pas uniquement concernée par notre vie. Ce n'est pas principalement à propos de nous. La vie en nous, c'est la vie qui fait tourner les planètes. C'est la vie qui est en train dans les bois d'éveiller les insectes et les animaux. C'est la vie du soleil depuis des milliards d'années. C'est la vie de tous les êtres vivants. Tous les gens partout sur Terre qui s'éveillent, qui vont se coucher, qui s'endorment ou qui travaillent. Des milliards et des milliards de fourmis qui s'activent, des abeilles, des oiseaux. Tous les vers de terre qui purifient la terre, de toutes les plantes qui profitent de cette activité pour naître, croître vers le ciel et le soleil, toutes les fleurs qui progressivement s'ouvrent, toutes les beautés de la nature et tout ce qu'elle nous donne de nourricier, de beauté. Le soulagement qu'elle nous permet par son grand silence, sa grande quiétude. Le profond soulagement, la profonde joie d'être dans les bois, avec les arbres, dans les grandes plaines, les hautes montagnes. La vie, c'est celle des rivières. Depuis le ciel n'a de cesse de courir vers la terre et vers la mer pour devenir un avec le grand océan mer. C'est les milliards de poissons, de formes de vie aquatique, jusque dans le fond des océans, là où toute la vie devient silencieuse, calme, très profonde. C'est la vie de tous les bébés qui viennent de naître ce matin. Leur cœur pur se joint au nôtre. Leur vie se joint à notre vie. Avec la joie de tous ses parents, heureux d'avoir reçu cette nouvelle vie. Et c'est la même vie qui, à l'intérieur de nous, active des milliards de cellules. Des milliards de réactions chimiques, électriques, en même temps. À chaque instant, tout change. La vie change en permanence dans chacune des parties de notre être, dans chacune des parties de notre conscience qui se connecte avec le grand champ de conscience de l'humanité. Votre conscience et ma conscience font partie du grand ciel de conscience que nous partageons tous, le grand nuage de conscience, l'univers de conscience qui nous relie et nous anime. Qui nous rend conscients de ce moment.
Chaque fois que nous avons conscience de nous-mêmes, en tant qu'observateur, en tant que fonction qui reçoit toutes les informations, alors la vie en nous s'éveille beaucoup plus profondément. Et nourrit, transforme beaucoup plus profondément. C'est ça Ming Tuen. La pratique de Ming Tuen, c'est prendre conscience de l'observateur, la fonction qui reçoit les informations. Et rester au contact, en présence, de cet aspect de nous-mêmes, de cet aspect de la vie. Parce que d'habitude, cet aspect, nous n'en avons pas conscience. Alors cela agrandit le champ de notre conscience et illumine les profondeurs de notre inconscience. Cela permet au chi de pénétrer bien plus profondément à l'intérieur de la conscience et de rendre tout le chi abondant. De lui permettre de circuler librement, de débloquer tous les aspects de la conscience. Les couches de la conscience progressivement se relâchent, se relâchent, se relâchent. Tout devient plus doux et plus tendre. Tout s'attendrit et s'adoucit. Devient plus clair, plus détendu, plus spacieux. Nous sommes la vie et nous en prenons de plus en plus conscience. Et la vie s'ouvre très largement. Autour de nous, la vie du ciel, cela ne semble être rien. Tant si le ciel disparaissait, toute la vie disparaîtrait sur la planète. La vie du ciel est essentielle à notre vie. Nous sommes le ciel. Nous ne pouvons pas exister sans lui. La vie de la Terre est essentielle pour nous. Elle nous nourrit, elle nous attire à elle. Elle permet que nous soyons vivants. La vie en nous, c'est aussi la vie de la Terre, c'est aussi la vie du ciel. Nous n'existons pas indépendamment. Bien que nous soyons autonomes, nous existons en harmonie avec la vie du ciel, la vie de la terre, la vie des animaux qui permettent la nature, qui permettent aux fleurs d'exister, aux arbres d'exister. Qui permettent de nous nourrir. La vie de l'eau et des rivières, rien ne pourrait se faire sans elle. Et la vie de toute l'humanité, tout ce qui est autour de nous est le résultat de milliers d'années d'évolution de l'humanité
depuis l'électricité jusqu'à l'ordinateur, jusqu'à Zoom qui maintenant nous relie, jusqu'à la possibilité d'avoir accès aux enseignements. C'est des millions de personnes qui, durant des milliers d'années, ont permis d'accumuler la connaissance et la compréhension pour nous permettre que tout cela soit possible. Notre vie est intimement liée et dépendante de l'histoire de l'humanité. Tous les produits et toute notre maison même est entièrement liée à tous ceux qui les ont créés, pensés, imaginés, rêvés et construits. Toute notre vie n'existe pas sans la vie de l'humanité. Nous pourrions vivre seuls sur une montagne. Dans les bois. Mais là où notre vie s'épanouit, c'est au contact des autres êtres humains. Qui révèle des aspects de nous. Et si nous étions seuls, nous ne voudrions pas tout à fait remarquer, ni tout à fait améliorer, transformer. C'est dans les liens avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues, que se révèlent les profondeurs de notre comportement et la possibilité de les transformer. L'existence même de l'univers est nécessaire pour que notre vie existe. Rien ne peut être séparé de nous. Nous sommes le fruit de l'évolution de la vie et nous existons grâce à elle, comme tous les êtres, toutes les choses. La terre, tous les êtres humains, tous les animaux, toute la nature, tous les éléments et tout l'univers. À ce niveau-là, nous sommes entièrement égaux et nous sommes un. Nous sommes la vie. Jusqu'au fin fond de l'univers. Chaque étoile, chaque galaxie, par sa position même, par son existence même dans l'univers, conditionne la vie de notre galaxie, de notre système solaire, de notre planète. Un peu plus proche du Soleil, nous serions comme Mars. Un peu plus loin, nous serions comme Vénus. Et juste à la bonne distance, et nous sommes la Terre. Nous avons besoin de toute la vie de l'univers pour être la Terre, de toute l'harmonie universelle. Et sur cette Terre, des pays, des villes, notre ville, notre foyer, notre existence, notre conscience qui est présente. Qui s'ouvre jusque dans tout l'univers. C'est ça le chant de Chi, mais c'est ça aussi le chant d'amour qui permet à toutes les vies d'exister en même temps, d'être nourries en même temps, de prospérer.
C'est aussi un grand champ de conscience. Avec tous les êtres d'amour et de conscience, tous les êtres que nous aimons. Tous les êtres qui nous aiment. Le grand champ d'amour et de conscience revient à l'intérieur. À l'intérieur de la tête. Et la vie, à l'intérieur de la tête, s'harmonise avec le grand champ de conscience et d'amour de toutes les vies, de toute la vie. L'intérieur du cou et de la gorge. L'intérieur de la poitrine, poumon, le cœur, les épaules, les bras. Tout s'harmonise sur la même longueur d'onde, la même fréquence, la même présence, tout le champ d'amour et de conscience. Profondément dans les poumons, dans le cœur, dans l'abdomen, le foie, la vésicule biliaire, pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins, la vessie, le système reproducteur. Se met en harmonie avec la vie, avec son amour, avec la conscience. Le bassin, le sacro-iliaque, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les plantes de pieds qui s'ouvrent. Pomme de main qui s'ouvre, le nombril qui s'ouvre, l'igmane s'ouvre, l'avant de la poitrine s'ouvre, l'arrière de la poitrine s'ouvre, le côté de la poitrine s'ouvre, entre les sourcils s'ouvre, à la base du crâne, sous le sommet de la tête, relâche et sous. Nous prenons conscience de plus en plus profondément de l'intimité, de la vie en nous et de la vie partout dans le champ d'amour et de conscience. Cette intimité se révèle et heureusement pour nous, elle existe toujours, même quand nous n'en avons pas conscience. C'est une intimité fondamentale, une existence essentielle, une réalité. Qui nous unit à tout l'univers parce que nous sommes l'univers et que l'univers est nous.
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous levez-vous aussi tôt le matin pour venir ici? Laissez le silence vous répondre. Posez la question et permettez au silence de vous répondre. Tournez les paumes de main l'une en face de l'autre et écoutez. Observez et ressentez ce qui se passe quand les mains se regardent. Prenez une balle de chi, ramenez-la devant le nombril. L'intérieur, l'extérieur, c'est un même espace. Donnez votre amour, votre présence. Pour aider tous les êtres qui en ont besoin dans le champ d'amour et de conscience. Tout l'amour et la conscience reviennent à l'intérieur de Nigman. Nigman, c'est toute la zone à l'arrière. Antienne inférieure, ce n'est pas juste le point, c'est tout le palais de Nigman à l'arrière. Donnez le meilleur de vous. Vous ne perdrez rien en nous. Parce que tout revient à chaque fois. Transformé et purifié profondément à l'intérieur. Change chaque cellule, chaque espace. Le meilleur vous revient. Et ouvrez-vous pour donner ce meilleur qu'il rayonne pour tous ceux qui en ont besoin.
Meilleur revient très profondément, tout l'amour, la conscience transforme complètement, illumine, en tout transparent. Et donnons toute la conscience et l'amour à tout le champ de conscience et d'amour pour tous les êtres, que tous ceux qui en ont besoin trouvent l'amour et la conscience, que tous ceux qui ont le cœur ouvert, l'esprit ouvert en cet instant, reçoivent nos informations et connectent ensemble dans chacune de nos vies, dans chacune de nos quartiers, pour chacun de nos voisins, pour toute notre famille, nos amis, nos collègues, pour tous les êtres, tous les gens. La nature qui s'illumine, les animaux s'illuminent, la terre s'illumine, l'univers s'illumine. Nous répandons éveil et amour pour tous les êtres. C'est la mission de ces pratiques de Minju. Éveiller l'amour et la conscience en soi et dans tous les êtres. Et la profonde utilité de ces pratiques et de ces moments que nous partageons. Répandre l'amour, la présence, jusque dans tout l'univers. Tout l'amour et la conscience se transforment et lorsqu'elle revient à l'intérieur, elle est purifiée par le chi originel. Soulevez la balle de chi devant la poitrine, dans le tien médian. Trois tantiens ne forment qu'un tantien qui s'illumine. Tout le corps de chi, un seul champ d'amour et de conscience qui s'illumine. Les organes internes changent en chi, fusionnent avec le champ d'amour et de conscience.
Donnez le meilleur de vous. Laissez rayonner tout ce que l'on reçoit. Soyez le canal par lequel la vie répand l'amour et la conscience. Ne gardez rien, tout reviendra. Entièrement pour recevoir. Ne refusez rien. Recevez tout. Permettez à la vie de nourrir la vie en vous. Pour vous comme pour tous les êtres. Toute cette vie se répand au travers de nous, dans tout l'univers, dans tout le champ d'amour et de conscience. Les êtres s'éveillent, s'éveillent, s'éveillent. Tous s'entourent d'amour, de présence, de douceur et de tendresse. Alors, laissez tout passer. Gardez rien pour vous. Plus la vie peut nous pénétrer et circuler librement, plus notre santé à tous les niveaux s'améliore. Plus notre chi devient abondant, plus notre cœur devient aimant, notre conscience pure. Tout nous revient purifié. Notre générosité notre amour
purifie et aide et purifie tous les êtres. Personne ne perd rien. Tout le monde y gagne. Oui. Plus vous êtes généreux, plus vous donnez, plus cela revient profondément, plus cela touche profondément les êtres, plus cela aide, permet l'éveil et l'amour à toute l'humanité, tous les êtres. La balle de chi s'élève devant le tantien supérieur. Si pour les épaules c'est difficile, vous pouvez juste le faire par la conscience et laisser les bras se détendre. Et les omoplates, les épaules et les bras sont le champ de chi et d'amour. Conscience. Tout est dans la conscience. Donnez, ouvrez, relâchez tout. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour tous. Tout le tantien supérieur s'illumine. Soulevez la balle de chi. Qui s'envole. S'envole dans l'univers, dans la galaxie, entre les galaxies. S'envole dans les amas galactiques. Toutes les informations et tout le chi reviennent à l'intérieur. Tournez les paumes de main face au sommet de la tête. Déversez le chi. Par la porte du ciel, pénètre partout, le tantien supérieur, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les gencives, les dents et la langue. Tout s'illumine, transparent. Le cou et la gorge s'illuminent, transparent. La poitrine, les poumons et le cœur, les bras s'illuminent, transparent. Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins. Superposez les paumes de main sur le nombril. Le champ d'amour et de conscience pénètre dans la vessie, le système reproducteur, les hanches, les cuisses, les genoux,
les mollets, les chevilles, les pieds, possible lumine, jusque très profondément, partout dans le champ d'amour et de conscience, s'illumine, transparent, plein d'amour. Plein de conscience. Qui revient dans le palais de Mi'kmaq, la zone de Mi'kmaq. Pour nourrir la conscience, pour nourrir l'amour. Pour nourrir le chi. Reposez-vous quelques instants. Le chi est abondant, l'amour est abondant, la conscience est abondante, circule librement, tout s'éveille, notre santé s'est grandement améliorée, notre vitalité est excellente. Nous sommes bien plus beaux à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes bien plus aimants, doux et tendres, en même temps que puissants et forts, reliés avec toutes les vies de l'univers. Tout le champ d'amour et de conscience s'ouvre dans l'endroit où vous vous trouvez. Pénètre tout votre foyer, toutes vos possessions, les animaux, les plantes, tous les gens de votre foyer, tout s'illumine, transparent. Dans votre quartier, votre ville. Vous ne faites rien, c'est le champ d'amour et de conscience qui le fait. Dans la ville, tout devient lumineux, transparent. Dans le pays, lumineux, transparent. Simplement ne faites pas entrave au champ de conscience et d'amour. Envoyez juste l'information, reflétez mon information et laissez-la agir par elle-même. Notre pays tout s'illumine, transparent, avec le docteur Pang, tous les êtres d'amour et de conscience. Dans notre pays tout s'illumine, transparent. Dans tous les pays tout s'illumine, transparent. Dans la terre, il s'illumine, transparent. L'univers s'illumine, transparent. Tout revient jusque dans notre foyer. Pénètre partout, toutes les possessions, les gens et les êtres. Jusque profondément, à l'intérieur, dans le palais de Mi'kmaq. La conscience s'éveille,
L'amour s'éveille, le chi pur s'éveille, tout est abondant. Merci beaucoup pour cette pratique. Ah, là. Dites-le, puis ressentez ensuite le râle. Ressentez ce que ça fait. Ah, là. Ah, là. C'est comme dire un mot d'amour. C'est comme une caresse. Ah, là. Ah, là. Ah, là. Tous les êtres. Ah, là. Merci beaucoup. Séparez les mains. Et doucement, bougez le corps pour confirmer dans vos sensations que vous êtes très très bien. Bougez pour vous sentir bien.